Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic The Gathering. Et plus précisément, je vais ouvrir dans cette vidéo une boîte de 12 boosters collector de l'édition Throne of Eldraine. Alors c'est vrai que c'est une édition qui date pas d'aujourd'hui, c'est une édition qui date du 4 octobre 2019, donc ça a quasiment 2 ans, presque jour pour jour, et qui contient 269 cartes différentes. Donc il y a des cartes en version normale et des cartes en version extra. Et donc moi je vais ouvrir cette boîte de 12 boosters collector, j'espère découvrir des trésors parce qu'il y a quand même des super cartes. Dans les boosters collector il y a des cartes foil aussi, donc voilà. Et puis je pense que je vais orienter cette ouverture selon deux modes. Un, ça va être l'ouverture tout d'abord des 12 boosters dans une première vidéo, et dans une deuxième vidéo je reviendrai sur le rapport quantité-prix, c'est-à-dire le rapport entre ce que j'ai réussi à obtenir à l'intérieur de la boîte et des 12 boosters, et le rapport de ce que j'aurais dépensé pour cette boîte de 12 boosters collector, voilà les amis. Donc ça permettra de se faire une idée sur si une boîte de boosters collector est rentable, surtout une boîte qui a quasiment 2 ans. Donc ça fait 2 ans que l'édition Throne of Eldraine est sortie. Donc allez, je vais ouvrir cette boîte. Alors j'ai repéré quand même quelques cartes, il y a quelques cartes qui sont vraiment super intéressantes, comme l'emprunteur intrépide, c'est une carte bleue, il me semble qu'il y a aussi, en multicolore, il y a, comment elle s'appelle, Garuk, chasseur maudit, non, c'est pas une carte terrible celle-là. Il y a Oko, voilà, voleur de couronne. Après c'est vrai que c'est les cartes extra qui sont super bien cotées. Et là, alors, hop, je découvre ces boosters. Alors c'est carrément des véritables trésors, hein, parce que les boosters collector, vu le prix, les amis, c'est vraiment pas donné du tout. Après moi j'ai pu récupérer d'anciennes éditions avec des promos, des choses comme ça. Faut farfouiller pour arriver à trouver des choses intéressantes. Et voilà, donc là j'ai sous les mains 12 boosters les amis, 12 boosters de cette édition, 12 boosters collector. Allez c'est parti, et le premier booster. Alors il y a plus de chances dans 12 boosters d'avoir au moins une ou deux cartes intéressantes. Je dirais que quand vous achetez un seul booster collector, là c'est une question de chance, vraiment de tomber sur le booster vraiment de fou. Alors là déjà c'est une boîte en version originale, donc c'est que des VO. Hein. Alors c'est parti avec Useful Knight. Donc c'est une commune foil VO. Ah, la première extra. Ah, je vais un peu séparer ce que je vais faire. Je vais créer des catégories. On va mettre les communes en premier. Celle-là, c'est Silver Flame Square. Donc, c'est une commune extra foil. Ça commence bien. Une commune fling foil. Une autre commune Miss Warford River Turtle. Rift Soul. Ah, la première peu commune, Epic Dawnfall. Alors c'est toujours des cartes foil, hein, par contre, pour l'instant, mais je vais les trier comme ça, et puis c'est vrai que ça m'aidera après, derrière, pour donner une estimation dans une prochaine vidéo. Improbable alliance. En peu commune, Hypnotic Sprite, une autre peu commune bleue. Alors les cartes, forcément, avec des boosters collecteurs, vous avez beaucoup de cartes foil. Ce sont des cartes magnifiques. Ah, il y en a une quatrième. Shine Chaser. Et une carte Ardenvale Tactician, c'est une carte commune normale. Alors celle-là, elle n'est pas foil, elle est normale. Comment est-ce que je vais séparer ça? Ça permettra de se faire une idée. Donc commune. Alors je vais mettre les foils là. Et celle-là, je vais la mettre en dessous. Et une autre commune. C'est une commune à nouveau normale. Merchant of the Vale. Encore une commune normale, donc ça fait la troisième de suite, en extra, hein. Par contre ce sont que des extras. Et une mythique. Ah, la première mythique. Allez là, Artful Provocateur. Alors celle-là, bon ça commence déjà, premier booster et première mythique les amis, donc c'est plutôt intéressant. Je sais pas si on l'a bien vu. Allez là, Artful Provocateur. Donc, première mythique. Allez, je continue. Une... Oh, ça c'est un terrain extra. Castle Ardenvale. Donc les terrains extra, ils sont super intéressants. Donc ça c'est top. Ça vraiment c'est top 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 les amis. Ah, je continue. Et j'ai une rare foil Doom Foretold. Donc le premier booster est vraiment super intéressant. Et puis un jeton Dwarf. Donc le premier booster est super intéressant parce que j'ai déjà eu une carte mythique et une carte en même temps les amis, et une carte aussi rare foil et une carte rare extra. Donc c'est vrai que c'est top, franchement il n'y a rien à dire, super début d'ouverture les amis. Alors c'est marrant parce que celle-là c'est une multicolore mais je la trouve pas dans l'édition. Ah, c'est une extra, c'est la numéro 324. Ah, elle est peut-être dans les extras alors. Parce que c'est vrai que celle-là, elle a un numéro qui va au-delà de l'édition. Donc je me dis, elle est là. Effectivement, bon, elle est pas super cotée. Mais par contre, le terrain ici est un peu plus coté que celle-là. Voilà, alors c'était le premier booster les amis. C'est intéressant. Je vais peut-être mettre la mythique ici. Je sais pas comment m'organiser, mais c'est une mythique extra, je vais la laisser là. Je sais pas trop comment m'organiser pour poser les cartes. Alors déjà, ça commence fort. Il y a déjà eu 6 extras, dont 4 communes. Toutes les autres non extras, c'était que des cartes foil. Allez, deuxième booster, les amis. C'est une boîte de 12 boosters collectors, des vrais trésors. Allez, la première commune, foil à nouveau. Une commune extra foil. Smitten. Swordmaster. Après, Searing Barrage. Oh là, elle est jolie celle-là. Comme une foil. Didn't say please. Prophet of the Peak. Là, c'est une peu commune. Resolute Rider. Extra Beanstalk Giant. Peu commune extra foil. Peu commune normale foil. Encore une peu commune, il y a un paquet. Hein. Alors il y a plus de peu communes que dans les boosters. Oh, Oko, Oko. Eh ben voilà, Thief of Crown. Alors c'est la extra, les mythiques extra, les amis. Alors là c'est une super carte, les amis. Alors c'est dommage, c'est pas la foil, hein, c'est la version normale. Bon après ça fait toujours plaisir de l'avoir. Voilà, je me demande si c'est pas la carte extra en version normale la plus cotée. Celle-là, je vais la mettre de côté, je la mettrai dans une pochette. Après, je continue avec une extra peu commune, une extra commune, une rare. Chittering Witch, je veux dire, c'est une rare normale. Elle n'est pas foil, celle-là. 319, ah, bah, c'est une rare extra, ça. Parce qu'on est au-delà des numéros, donc je vais la mettre en extra. Escape to the Wilds, c'est une rare extra, une nouvelle. En fait, il y en a dans tous les boosters. Bon, par contre, c'est pas... Et une mythique. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce booster de fou, les amis? Outlaws Merriment, c'est une mythique extra foil. Oh là 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 là. Alors là, par contre, je connais pas la cotation. Ouh, j'ai hâte d'aller chercher les cotations, les amis. C'est quoi le numéro? C'est la 382. Parce que alors là, je sais pas ce que ça vaut, ça. Je sens que je vais m'amuser à récupérer les cotations. Donc cette mythique, elle est en foil. Alors je vais peut-être mettre les rares comme ça, la mythique ici. Et puis après, j'ai un jeton. Ouais, bon bah les amis, je crois que je vais déjà commencer à les mettre sous pochette plastique. Parce que celle-là, elle me paraît quand même super intéressante. Ah mais là, c'est un booster de fou. Hein. Alors je commence déjà, les amis, en 2 boosters collector. J'ai récupéré déjà 3 cartes mythiques, dont 2 mythiques extra et une mythique extra foil. Alors, il y a 12 boosters collector dans la boîte. Je vais voir ce que ça va donner, mais il me semble que là, il y a du lourd. Il y a du lourd. Et puis, comme je vous dis, je vais faire une deuxième vidéo dans laquelle je ferai le bilan du rapport avec les cours que je récupérais, je pense, sur Cardmarket. Je vais vous expliquer comment je vais faire. Donc là, une mythique que je vais mettre ici en version extra. Donc voilà, en 2 boosters, déjà, il y a un bon panel de cartes extra que j'ai pu récupérer et des cartes de valeur aussi qui sont super intéressantes. Je dirais même celle-là, Escape to the Wilds, c'est une carte multicolore. J'ai pas trop regardé. Bon, c'est quelques euros. Hein. Allez, je continue. Ça commence très bien. Alors je sais pas combien il peut y avoir de mythiques dans une boîte. J'en ai ouvert il y a quelques temps, mais je me rappelle plus trop. Alors j'ai pu en récupérer plusieurs là. Je vous ai montré une vidéo de près de tout ce que j'avais en stock que je vais pouvoir ouvrir. Alors, Scorching Dragonfire. Encore une extra Garrendbring Carver. Lost Vein Gargoyle. Ok. Les communes version folle. J'espère en avoir un bon paquet de différentes. Ça serait cool. Trapped in the Tower. Là, c'est les peu communes. Leaky Clover. Et les peu communes aussi, tant qu'à faire. Lock Dragon. Là, c'est une peu commune. Ah, les foils, celle-là. Amberette Shieldbreaker. C'est une peu commune foil. Donc, ça doit être la deuxième en extra. Un nouveau Trial of Crumbs. Et là, j'ai une extra peu commune normale. Ok. Une nouvelle extra peu commune normale. Ok. Elles sont magnifiques. Franchement, les cartes, c'est des trucs de fou. Là, c'est une extra commune normale. Bon, après, il n'y a pas tant que ça de cartes foil. Qu'est-ce que c'est que ça? La 311, ah bah ça, c'est une peu commune, à mon avis, extra. On va les classer dans extra parce que je pense que, vu le numéro, elle est au-dessus de la famille en fait. Mais elle n'est pas foil. Et oh, une mythique encore! Harmonious Archon, c'est une mythique extra normale. Oh là 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 là! Alors, c'est une nouvelle mythique. Et oh, une mythique! Non! Oh non! Brazen Borrower! Ah, je crois que je l'avais repéré celle-là. Eh ben non, c'est celle-là qui est en version normale. Et la carte la plus cotée de l'édition. Et moi, j'ai carrément la version foil. Oh purée, je crois que la version normale, c'est plusieurs dizaines d'euros. Alors imaginez la version foil extra. Oh, là, c'est fort, ça. Et puis un jeton. Alors, ah oui, c'est vrai que j'ai pas montré. Je vais la mettre... Mais les jetons, ils sont en version foil recto verso. Alors là, les amis... je vais vous... Vraiment, dans la d'autres vidéos, je vous donnerai les prix. Mais c'est un truc de fou. Cette ouverture, c'est un truc de fou, carrément. Je me demande si celle-là, à elle seule, sa valeur, c'est la moitié de la boîte. Je suis en train de me demander. Il faudrait que j'aille vérifier. Regardez bien la deuxième vidéo où je vais parler du rapport qualité-prix de cette ouverture. Je vais donner les prix. Et ça, je vais essayer d'enchaîner les deux vidéos sur une même journée parce que ça peut être intéressant. Ou sur deux jours qui se suivent. Comme ça, ça permet à chacun de se faire une idée. Allez, j'ouvre un autre booster. Donc là, en 3 boosters, les amis, c'est très 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 fort. J'ai déjà eu 2 mythiques foil. Mais c'est incroyable. Et j'ai combien de mythiques? J'ai déjà 5 mythiques en 2 boosters. En 3 boosters. Alors, j'imagine qu'il ne va pas rester grand chose. Il m'en reste encore 9 à ouvrir. C'est un truc de fou, les amis. Allez, c'est parti. Des communes. Haute flanque. Giant Skiver. Celle-là, Merchant of the Vale, toujours une commune. C'est vrai que les cartes, elles sont magnifiques. Alors là, franchement, Corridor Monitor. Après, c'est vrai que c'est des boosters qui coûtent très cher, Golden Egg. Je pense qu'il y a quand même une probabilité, quand on achète une boîte de 12 boosters collector, d'avoir... Oh, elle est belle, celle-là. D'avoir vraiment des cartes de valeur. Beaucoup plus de cartes de valeur. Lucky Clover, peu commune. Log Dragon, j'ai déjà eu celle-là. Bon, après, on ne peut pas tout avoir, c'est pas grave. Fullmire Knight. Non, elle n'est pas foil, celle-là, elle est en version normale. C'est une peu commune, Smitten Swordmaster. Alors, c'est vrai que dans cette édition, il s'est arrêté aux extras. C'était la première qui sortait des extras. Donc, c'est vrai que c'est soit version famille, soit version extra. Oh, alors, celle-là, c'est Oko's Hospitality. C'est une rare. Pour l'instant, j'ai pas eu de rare foil extra. Bon, ça va peut-être venir. Une autre rare. Oh, Wilborn Preserver. Alors, c'est vrai que là, je suis servi en extra, les amis. Ça n'arrête pas. Donc là, je pense que je vais me régaler en allant chercher les cotations. Qu'est-ce que j'ai? Bah là, voilà, la première rare. Extra opportunistique dragon. Et ben voilà. Je disais justement, j'en avais pas encore eu. Et eh ben c'est vrai que c'est des véritables trésors. Bon, cela n'est pas super coté, mais bon, c'est toujours ça. Je vais la mettre ici. Et puis le jeton recto verso. Foil. Allez, voilà. Ouh là là là. Alors là, on est à 4 boosters. Vous voyez déjà, ça se remplit un peu de partout. C'est la partie commune, peu commune, rare et mythique. Et pour l'instant, déjà ce côté-là est déjà bien rempli. Version foil aussi. Le centre, c'est les foils. Je mettrai... pour l'instant, j'ai pas des non-foil dans les cartes de l'édition. Je suis pas sûr qu'il y ait des versions non-foil dans les cartes de l'édition. Ça sera que des extras, à mon avis. Ah là là, c'est vraiment des trésors de fou. Allez, c'est parti. Une autre commune. Foil. Une autre. Fortifying Provisions. Rimrock Knight. Weapon Rack. Ça, c'est une peu commune. Et je crois que j'ai eu celle-là en version extra aussi. Slaying Fire aussi. Keeper of Fables. Wintermoor Commander. Et en extra, c'est une peu commune extra normale. Et je crois que j'ai eu la version foil ou pas? Ouais. Donc là, il y a la version foil à gauche et la version normale. Alors la version foil, on la voit pas super bien briller. Sur le bas, on la voit qu'elle brille. Bon là, il n'y a pas l'étoile, donc on sait que c'est pas la... Pour reconnaître une carte brillante, vous aurez ici une étoile en fait, tout simplement. Je vais remontrer pour ceux qui veulent vraiment pouvoir les différencier. Voilà. Ici, vous avez une étoile et vous savez que c'est une version foil. Hop, je la mets ici. C'est une peu commune, bien sûr. Là, c'est une peu commune à nouveau en version normale. Une commune, elles sont magnifiques vraiment ces cartes. C'est un truc de fou. Hein. Et une rare Thorn Mammoth. Ok. Une autre rare Opportunistic Dragon. Alors voilà, c'est marrant parce que j'ai eu la version foil et maintenant j'ai la version normale. Oh écoutez, tant qu'à faire, autant voir les deux versions. C'est top. Je vais la mettre là. Ventress Gargoyle en version foil aussi. Donc ça c'est une rare normale par contre. Et un jeton rat. Et food. Ok. Oh les amis, ça cartonne pas mal. Bon, ça s'est un peu calmé, même si c'est des cartes incroyables que j'ai pu avoir. Il me reste donc à ouvrir 5, 6, 7 boosters, les amis. J'ai même pas fait la moitié de la boîte de 12 boosters collector. Donc c'est un truc de fou. Je suis bien content de pouvoir vous proposer une telle vidéo. Après, je sais que les prix sont vraiment déraisonnables, mais bon, des fois on se fait plaisir. Curious Pair. Allez, celle-là il me semble que je l'ai déjà eu juste avant en version normale, voilà, dans le booster quasiment avant il me semble, la version foil d'extra, Barge In, Queen of Ice, Back Into a Pie, Spectre's Shriek, commune, une nouvelle peu commune foil, Fireborn Knight, Into the Story, Velocity of the Wilds. Ça fait quand même pas mal de cartes de l'édition en version foil, c'est cool. Celle-là, c'est une carte commune. Smitten Swordmaster, non foil, une autre commune, non foil, Lonesome Unicorn, une troisième commune, non foil, Rimrock Knight. Bon, et là j'ai, ah bah c'est une commune, bon c'est une extra même si elle a une image classique, hein. Au cause accomplice. Et oh, Mirror Mad. C'est une commune, une rare extra. Elle est très belle aussi. Cette carte, elle sort un peu vraiment l'image super, super. Alors je sais qu'il y a une carte qui est super cotée, une rare, c'est Emery, Lurker of the Lock, qui est super bien cotée. Bon, bah, écoutez, celle-là, elle a l'air sympa aussi. Oh, bah voilà une rare. Foil, Worthy Knight. Édition normale. Et un jeton human. Hop, et food. Voilà, c'était déjà la moitié, la première moitié. Alors j'ai fait fort parce que toutes les mythiques, je les ai eues quasiment dans les 3 premiers boosters. Donc je crois que j'ai eu bien mon quota, les amis. Après, si j'en ai d'autres, moi je suis preneur. Hein. Là, vraiment, c'est un truc de fou, cette boîte Throne of Eldraine. J'en ai d'autres en plus à venir. Je vais essayer de voir si je peux faire une vidéo chaque semaine de ces ouvertures pour revenir sur des boîtes de booster collector assez ancienne. Celle-là, elle a 2 ans. C'est pour fêter un petit peu les 2 ans presque de la sortie. Je trouve ça sympa, quoi. Return to Nature. Allez, hop, comme ça. Oh, elle est belle, celle-là. C'est une commune foil. Un terrain. Alors, il y a des terrains, il y en a qui sont sympas. Pour l'instant, j'ai eu, il me semble, qu'un seul terrain extra. Hop, j'aimerais bien en avoir d'autres, parce que c'est vrai qu'ils sont top. Voilà, c'est une extra Curious Pair. Foil. Ah bah celle-là je l'ai eu. Ah bah je l'ai deux fois maintenant. Celle-là, c'est la version extra. Celle-là, il y a la petite étoile. Trial of Rums. Il me semble que celle-là, je l'ai déjà eu aussi. Voilà, celle-là aussi. Bon, c'est clair qu'il va y avoir des doubles. Celle-là aussi, je l'ai déjà eu. Et là, celle-là, Fate of Wishes. C'est une rare extra. Une commune extra. Une autre commune extra. Bon, il va y avoir des cartes en double, triple exemplaire, même plus que ça. Silverwing Squadron. C'était une rare extra. Une autre rare extra avec une superbe image. J'adore ces images qui sont sur la totalité de la carte. Et une rare foil. Witch Seas Vengeance. C'est une rare normale foil. Et un jeton, boire, food. Voilà, et donc il me reste 5 boosters. Alors, au début, je l'avais démarré avec des mythiques. Et puis là, je trouve que j'ai bien complété côté rare, où ça s'est quand même vachement incrémenté. Le petit constat arrivé à ce moment d'ouverture, c'est que je trouve que j'ai eu quand même beaucoup de doubles. Alors, bon, côté extra, éventuellement, ça me paraît logique, parce qu'il y a beaucoup de cartes extra dans chaque booster. Pas tant de cartes différentes, mais j'ai eu pas mal de doubles aussi, côté peu commune et commune ici, il me semble, on avait vu pas mal. Bon, c'est dommage pour la collection, parce que c'est quand même une édition où il y a plus de 250 cartes, donc il y a de quoi faire en tant que foil. Là, j'en ai pas ouvert tant que ça. Allez, je continue. C'est parti, la première commune foil. La deuxième. Oh, elles sont belles, vraiment très 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 belles. Oh, celle-là aussi, Blow Your House Down. Sotini. Ok. High Collector. Ah, celle-là, je crois que toutes ces cartes-là, il n'y en avait aucune que j'avais eue. Merchant of the Veil. Bon, celle-là, j'ai déjà eu, c'est sûr. Encore une commune. On arrive aux peu communes. C'est V Hunter. Une autre peu commune. Et là, c'est une commune extra. Silver Flame Squire. Ensuite, Reaper of Night. Commune extra classique. Une autre commune extra classique. Celle-là, je l'ai eu plein de fois. Bon. Une mythique. Oh, Rowan Fearless Spark Mage. Alors, c'est une mythique rouge. Extra, les amis. Donc, c'est toujours intéressant. Bon, j'essaye de repérer vite fait la cotation, c'est l'une des plus pourries mythiques. Bon, ah, ok. Elle vaut quasiment rien, j'irai vérifier, je vous donnerai un bilan. Oh, Ironcrag Fit, c'est une rare extra, elle est très belle aussi. Alors, ça se trouve, cette rare est beaucoup mieux cotée que la mythique précédente. Il n'y a peut-être pas photo d'ailleurs. Ouh, Mirror Maid en version foil. Elle est belle, hein. Oh, elle est très très belle. Super la version foil extra, et puis le jeton rare. Ok, ça fait une nouvelle carte en rare extra qui est sympa. Voilà, ça permet quand même de compléter les cartes. Je crois qu'il y en a plus de 90 des extras. Ça permet quand même de compléter un maximum de cartes. Là, c'est top. Après, bon, j'ai rien à dire parce que j'ai eu celle-là à Brazen Borrower, qui est sûrement la carte la plus cotée de l'édition, l'une des plus cotées de l'édition, j'irai vérifier, mais donc je pense que c'est pour ça que après je vais me taper des cartes mythiques comme celle-là, comme Rowan, qui sont des mythiques à 1 euro, quoi. Allez, je continue. Victor Guardian. Ah, c'est un beau terrain commune. Foil, j'aimerais bien avoir les terrains extra, rares extra. Ah, une autre, celle-là, je l'avais déjà vue. Bon, bah celle-là, j'ai eu plusieurs fois aussi, hein. Mais c'est la version foil, hein. Margin, je l'ai eu aussi. Queen of Ice, elle est belle. J'essaye de les tourner à chaque fois un petit peu, comme ça on peut voir les brillances. Just, un peu commune. Oh, Fairy Vandal. Et Reaper of Night, et c'est parti. Des communes extra, bon, qui sont sans valeur. Et à 3, voilà. Et là, j'ai une rare, Banish into Fable. C'est une rare extra, ok. Une autre rare extra, elle est belle celle-là, avec l'image sur la totalité. Osworn Knight. J'ai hâte de faire le bilan. Oh, une foil, rare foil, Blacklands Paragon. Celle-là, c'est une rare de... Là, hop. Et Giant, en jeton, Food. Voilà, alors là, on peut voir que j'ai quand même pas mal complété la colonne des rares. J'ai eu un bon paquet de rares. Bon, je pense pas avoir l'Emery. À mon avis, c'est pas possible. Vu que j'ai eu Oko et... Emery, c'est une carte qui, je crois qu'elle est même un peu plus cotée qu'Oko, donc à mon avis, ça me paraît improbable d'avoir les trois dans la même boîte. Surtout que j'ai eu la foil Brazen Borrower en foil, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc complètement de fou. Oh, ça commence par celle-là que j'ai déjà eue. C'est marrant, hop. Je vais la mettre ici. Celle-là, hop, elle est très belle aussi. C'est une version normale, c'est pas une version extra, mais je crois qu'il y a la version aussi, il y a les deux cartes en dessin avec la version extra aussi. Flutter Fox, ok. Cap Riders. Ok, je continue. Wicked Guardian, j'ai déjà, ouais, bah celle-là aussi. C'est des cartes Giant Opportunity, c'est des cartes que j'ai déjà eues. Je vais avoir plusieurs fois, c'est pas grave. Hop. Allez, une peu commune, Order of Midnight, peu commune, extra, et là c'est une commune. Hardwall Tactician, Merchant of the Wall, elles reviennent tout le temps. Garrison, Griffin, commune, extra, classique. Une rare, Folio of Fancies. C'est vraiment des cartes de fou, elles sont magnifiques les amis. Franchement avec l'image sur la... Oh, une mythique. Oh, 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 The Great Angel. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors là, c'est un truc de fou. J'ai eu Brazen Borrower et j'ai eu The Great Angel. Je l'avais oublié celle-là. Je l'avais oublié, les amis. En fait, je me suis trompé. Je crois que c'est celle-là en version normale qui est la carte la plus cotée de l'édition. Et ben, j'ai la version foil avec Brazen Borrower. Non, mais c'est les deux foils, les cartes les plus cotées en version. Alors celle-là, par contre, c'est pas la version extra, c'est la version mythique normale. Mais bon, c'est quand même top. Et puis un jeton Human Food. Alors là, c'est un truc de fou. Oh, j'ai hâte de faire l'inventaire des coups et de refaire une deuxième, sur les cotations, une deuxième vidéo où je vais vous donner les cotations de ces cartes. Parce que alors là, c'est cette boîte, combien en termes de valeur de cartes j'ai eu dans cette boîte. Là, c'est un truc de fou. Oh là là, j'en reviens pas. Alors, je sais plus celle-là, mais oh, je pense que The Great Angel, c'est plusieurs dizaines d'euros quand même. Hein. Il me semble qu'elle est au moins à 40 euros minimum. Donc là, les deux, celle-là et celle-là, c'est déjà plus de la moitié du prix de la boîte. Une boîte normale, alors je sais pas à combien sont les boîtes dans le commerce. Throne of Eldraine, moi je l'ai eu un peu en réduc, mais il y en a, elles sont vendues encore à 250 euros, il me semble. Hein. Après, je dis pas que vous aurez la chance d'avoir de telles cartes dans une boîte de 12 boosters. Là, je sais pas si c'est toutes les boîtes qui ont vraiment des trucs de fou comme ça. Mais attendons la deuxième vidéo pour faire une idée sur les prix. Allez, Bellow Princess, Festive Funéral, Tomb Raider. Ah, celle-là, je l'avais pas encore vue. Celle-là, elle est très jolie. Très jolie. Karen Brigg, Paladin. Into the Story, peu commune. Ferocity of the Wilds, right? Rally of for the Throne. Ouh. Oh, celle-là, elle est jolie avec ses couleurs. Et là, on arrive dans la partie des cartes extra que j'ai déjà eu. Alors, celle-là, je vais les avoir au moins 5 ou 6 fois. Faire information en rare. Locmère Serpent. Je sais plus si elle est intéressante ou pas, celle-là. Je me rappelle plus. Bon. Elle est très belle encore. Hey, oh, je crois que la rare de Once Upon a Time, elle est... C'est une rare... Alors déjà, c'est la rare de l'édition normale, parce qu'il faut savoir que faut quand même différencier. Il y a des prix quand même supérieurs pour les versions extra. Mais il va falloir que je vérifie. Mais il me semble que cette carte aussi, c'est une rare qui est super bien cotée, les amis. Pour ça, je vais la mettre sous une pochette plastique. Et après, j'ai Mouse Food. Mais celle-là, je la mets aussi sous pochette plastique. Cette carte, elle m'intéresse beaucoup. À augmenter la valeur de cette ouverture de boîte. Alors, je pense que pour accéder à la deuxième vidéo, je mettrai le lien dans cette vidéo à la fin de la vidéo éventuellement. Alors ça dépend si c'est pas le même jour, mais je la mettrai, si je mets avec un jour d'écart les deux vidéos, une fois que la deuxième vidéo sera en ligne, vous aurez le lien dans cette vidéo. Mais de toute façon, si vous êtes abonné à la chaîne, c'est pour ça, abonnez-vous bien, parce que comme ça vous allez pouvoir recevoir la notification de la deuxième vidéo où je vais dévoiler les cotations de cette ouverture. Et franchement là, y a de quoi faire, et ça peut permettre à chacun de se donner une idée sur est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une boîte de 12 boosters collector. Effectivement, ça coûte plus de 250 €, vous pouvez trouver à 250 €, moi j'ai pu avoir quelques réduits qui les payaient moins cher, mais est-ce que ça vaut le coup? Voilà, alors un seul booster à 25 €, bah, c'est vous et votre chance d'avoir quelque chose. 12 boosters, il y a quand même des probabilités d'avoir quand même un bon petit paquet de cartes qui sont intéressantes, et là je vous assure, en termes de cotation, là j'ai eu du très lourd quoi. C'est un truc de fou, franchement c'est un truc de fou les amis. Allez, bah je continue, c'est le dernier booster de cette boîte les amis, le dernier booster. Allez, après je fais vite un petit récap comme ça, et puis je vous donnerai rendez-vous après pour la prochaine vidéo qui sera sur les cotations de cette ouverture de boîte et ce que ça représente en termes de cartes. Allez, Smitten Swordmaster, Charmed Sleep. Alors je dirais pas non plus les doubles, le nombre de cartes différentes, j'irai pas là-dedans, j'irai plutôt dans les cotations, et ce que j'ai pu avoir en termes de chiffres, on va dire, le nombre de cartes communes folles, le nombre de cartes peu communes, ainsi de suite. Bognaughty, c'est une peu commune foil. Celle-là aussi, elle est très très belle, j'aime bien cette petite brillance au milieu. Vénérable Knight. Hop. Un peu commune. Et là, Oakheim Ranger. Peu commune extra. Flaxon Intruder, c'est une peu commune extra, mais pas foil, normal. Une... Ah, mais c'est la Smitten Swordmaster, je l'ai eu plein de fois. Allez, qu'est-ce que je vais avoir? Une commune extra. Et là, allez, c'est le dernier booster, un peu de suspense. Bon, j'ai tellement eu du lourd que là, faut pas non plus... je vais pas avoir l'Embry non plus. Winscared Crag. Oh, c'est une commune terrain, normal. Bon, dommage. Après, c'est la 308, mais... Hop, et oh, Backlands Paragon. Une rare extra. Elle est super belle. Ah, l'image est super belle. Franchement, après, toutes les extras, elles ont des images de fou. Franchement, après, je sais pas ce qu'elle représente, celle-là. Mais la carte est quand même magnifique, hein, les amis. Allez, il reste plus qu'une, les amis, c'est la dernière. Si ça pouvait être un terrain au moins, ou un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une mythique. Non? C'est une mythique? Oko! Oh, c'est pas possible! Oko, Thief of Crowns! Eh, mais c'est une mythique extra foil, les amis. Ah non, c'est la mythique foil de l'édition, pas extra. Oh là 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 là, j'ai eu peur. Enfin, j'ai eu peur, non. J'ai même cru que c'était la foil. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, allez, elle est comme côté à peut-être plusieurs dizaines d'euros quand même. Hein, mais oh là là, bah, je termine quand même fort. Hein. Ça aurait été l'extra, ça aurait été un truc de fou. Et puis voilà, le dernier jeton. Je vais quand même la mettre sous pochette plastique. Mais ouh là 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 là, c'est à nouveau du lourd les amis. Alors voilà, ça y est, j'ai ouvert cette boîte de 12 boosters collector. Alors, hop, je vais vous faire un petit bilan de cette ouverture, parce que alors là c'est carrément grandiose, je dis bien grandiose, et puis je vous donnerai rendez-vous pour vous faire aussi le bilan des cotations. Donc 12 boosters, Throne of Eldraine, c'est une édition qui a 2 ans les amis. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc déjà vous avez un jeton par booster, c'est automatique, un jeton foil recto verso. Ça c'est automatique. Vous avez une bonne panoplie de communes de l'édition foil, une bonne panoplie de peu communes de l'édition foil, quelques rares de l'édition foil. J'ai eu quand même 5 rares, 6 rares, dont Once Upon a Time en version foil. Et puis, donc ça permet de se faire une idée. Il y a énormément de communes extra, peu communes extra, à mon avis, en version foil et en version normale. Il y a des chances que j'ai quasiment toutes les cartes extra, peu communes et communes. En termes de rares, c'est quand même pas mal aussi, les amis, parce que là, vous avez vu, j'ai 6 rares foil normales, j'ai eu 2 rares extra foil. Donc on est déjà à 8 foil rares. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 rares normales en 12 boosters. Ça c'est pas mal. Maintenant passons aux mythiques. Les mythiques. Alors déjà en plus les rares j'ai eu des trucs de fou. Mais alors les mythiques j'ai vraiment eu des trucs de Voilà. Incroyable, à commencer par celle-là. Bon, alors effectivement, j'ai 4 mythiques foil. Regardez bien la prochaine vidéo, je vais vous donner les cotations. Là, ça me paraît incroyable. Donc j'ai 4 mythiques foil, 2 mythiques en version normale, 2 mythiques en version extra. Et en plus, dans les versions extra, j'ai eu 1, 2, 3, 4 autres mythiques. Donc les amis, le calcul est simple. 12 boosters, 8 mythiques, donc 4 mythiques foil et 2 mythiques extra foil. Sans compter toute la panoplie de rares, de communes, peu communes, tout ce qu'il y a. Voilà, c'est un vrai petit trésor, voilà les amis. Eh bien, écoutez, maintenant, je vais préparer les cotations et faire un bilan chiffré de cette ouverture où je vais rentrer vraiment dans le détail. Et ça, je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo concernant cette ouverture. Comme ça, ça vous permettra de vous faire une idée du rapport prix comparé au paiement de la boîte, et surtout que c'est une édition qui a 2 ans. Donc si maintenant vous avez une nouvelle édition avec des boosters collecteurs, comme ça vous pouvez vous faire une idée d'où, dans 2 ans, qu'est-ce que ça peut donner en termes de valeur ou pas. Voilà, ça peut donner à chacun une idée, en sachant que c'est quand même un côté aléatoire, parce que là je trouve j'ai eu énormément de chance, j'ai pioché des cartes de fou dès le début, et puis ça s'est pas arrêté. Voilà, je pense pas que toutes les boîtes de 12 boosters collecteurs aient autant de cartes incroyables que celle-là. Mais voilà, je suis bien content d'avoir pu récupérer toutes ces cartes, et je vais pouvoir montrer au moins ces cartes mythiques foil pour terminer cette vidéo. Voilà les amis, eh ben, écoutez, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout pour la prochaine vidéo avec les cotations et le rapport prix de cette ouverture de boîte de 12 boosters collector Throne of Eldraine. A très bientôt les amis.